Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, ce summer vlog. Donc tout cet été vous serez avec moi, j'espère que je vais tenir le rythme, mais il y aura une vidéo tous les jours ou tous les deux jours à 18h sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui le programme c'est du rangement, voilà, tout simplement on va ranger les valises. Il y a un bordel monstre, je vais vous montrer tout ça. Je suis pas du tout motivée, j'ai la flemme, voilà. Je pense qu'avec vous je vais pouvoir me motiver parce que là mon appartement c'est un mess total, il y a trop de bordel. J'ai deux grosses valises à vider, une petite valise à vider, une autre valise à vider. Je pense que ça va le faire. Prince est toujours dans sa caisse de transport, il la lâche pas, il l'adore en fait, c'est vraiment un truc qui kiffe. Donc bah écoutez, il est un peu tard, il doit être 14h je crois parce que j'ai fait que du montage toute la matinée pour vous produire du contenu sur YouTube. Donc je regardais Hercule Poirot en même temps, voilà, cœur sur lui, j'adore. Donc bah écoutez, je vais vous montrer l'état et l'ampleur des dégâts, je pense que vous êtes vraiment pas prêts. La cuisine c'est un peu le bordel, mais voilà, ça peut se ranger en quelques secondes, entre guillemets. Là... Voilà, là, c'est vraiment un carnage. Valise à vider, là aussi à vider. Prince qui est toujours dans son petit, sac, sa caisse de transport. Mon cœur, on ne repart pas. Mais il l'adore en fait, vraiment, il kiffe. Il pourrait passer des heures là-dedans. Et on m'a souvent demandé la référence. On l'a pris à Truffaut. En fait, c'était un... Comment dirais-je? Truffaut l'avait jeté parce qu'il y avait une fermeture qui était cassée. Du coup, bah moi, je l'ai récupéré. J'ai réparé la fermeture. Et donc, ça m'a fait un sac de transport gratuit. Donc, c'est la marque Wapi. Je vous conseille vivement parce qu'en plus, il y a des... ça s'ouvre sur les côtés. Comme ça, il peut avoir un sacré, sacré espace dans l'avion, dans le train ou dans la voiture. Donc voilà, je t'embête plus mon cœur. Donc il y a pas mal de choses à faire là, à ranger mon sac à dos. Ensuite il y a cette valise là à ranger, des affaires qui traînent, et ça aussi. Bon, il y a tout ça. Voilà. À vrai dire, je sais pas trop par où commencer, je suis un peu débordée. Voilà, donc j'ai fait une lessive ce matin. Toutes mes affaires sont propres normalement. Là-bas c'est ce que mon père m'avait ramené, c'était mes affaires d'hiver. Donc ça, faut que je le range dans des sacs, parce que là, nous sommes en été. Et en fait, dans mes placards, là, c'est que des pulls. Parce que je suis partie quand c'était en mois de février, donc j'ai pas transféré les pulls dans des sacs, des housses. Et donc, bah, j'aimerais bien faire ça aussi aujourd'hui, enlever tout ce qui est pull, en fait. Garder 2-3 petits pulls vite fait, voilà. Et mettre les affaires d'été. Comme ça, je serai tranquille. Donc, faut d'abord que je vide tout ça. Ensuite, que je vide les valises pour mettre les affaires, enfin les habits là-dedans. Donc pas mal de travail aujourd'hui. Là j'ai commencé à organiser un petit peu tout ce que je devais vous montrer, ce que j'avais ramené d'Athènes. J'ai toujours pas fait encore le haul, ça va arriver bientôt. Donc voilà, là c'est mon pyjama de tout à l'heure, là c'est les affaires pour les travaux. Là c'est les colis que j'avais reçus. D'ailleurs je me suis recommandé du coup ma cure, elle vient d'arriver. Donc ça c'est cool, je pourrai reprendre mes compléments alimentaires, c'est moi qui ai payé, hein. C'est pas un partenariat ou un produit gratuit ou je ne sais quoi, c'est moi qui paye, parce que j'aime vraiment beaucoup ça et mon médecin me recommande de prendre ce genre de choses, donc je... Oui, on a compris que t'étais là, donc je fais ce qu'elle dit. Du ménage à faire, comme vous pouvez le voir, je suis ravie. Voilà, je sais pas trop par où commencer. Je vous jure, je suis dépitée, il n'y a même pas de place pour travailler là-dedans, vas-y, c'est pas possible. Donc écoutez... Let's go, on va y arriver. Du coup, je vais mettre tous mes pulls sur ma table, comme ça je vais bien les plier et ranger dans un sac. Et le problème, c'est que j'ai pas assez de sacs, du coup, il faut que je vide les affaires d'été. C'est un bordel. Pour pouvoir remettre les affaires d'hiver à l'intérieur. Je crois que j'ai d'autres affaires d'été là-haut, donc on va les utiliser, mais d'abord, je vais enlever tout ce qui est hiver. Donc c'est parti. Voilà, il n'y a quasiment plus rien à part des chemises et 2-3 petits trucs. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a tout ça de pulls. J'avais déjà fait un tri auparavant, donc ça ne me sert à rien de refaire un tri. Mon Vinted est en barre d'informations, c'est Pandapi. Si vous voulez acheter des petits trucs, n'hésitez pas. C'est quasiment tout neuf ou utilisé une fois ou deux. Donc voilà, pour ça, il faut que je mette tout ça dans des housses. Donc là, j'ai mis une petite partie dans ce sac là, les sacs viennent de chez Primark, c'est ceux qui me demandent, 1,50€ les deux, un truc comme ça, ils sont géniaux, ils sont vraiment trop bien et je vous les conseille vivement, ils sont pas craqués au bout de 3 secondes, enfin vraiment top.
voilà, ne faites pas attention à ma pédicure, je sais pas si vous la voyez, mais je m'occuperai de moi quand mon appartement sera enfin propre. Donc on va aspirer tout ce bordel. Là ça va être magie. Bon, je viens de faire hiver, donc il y a 3 sacs, dont un qui est à moitié vide. Donc au moins ça c'est fait, je vais pouvoir les remettre en haut de l'armoire. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Sachant qu'il y a déjà un sac avec juste une couette. Je pense que la couette, je vais la jarter, je vais pas la mettre là. Je vais la mettre ailleurs. Donc voilà, il y a plein de mouches. Je sais pas si vous avez des mouches aussi chez vous, je n'en peux plus de ces mouches. C'est une invasion de mouches. Je sais pas si vous les voyez, c'est infernal. Prince, fais ton boulot là, au lieu de rester dans la serviette là-bas là. Je meurs. Du coup, je vais essayer de mettre les sacs donc en haut, mais je vais surtout aussi essayer de mettre tous les habits d'été là-dedans. Il est 18h30, j'ai passé au moins 3 heures devant mon ordinateur parce que il fallait que j'envoie énormément de documents, j'ai dû envoyer 52 documents. Donc il fallait les trouver là, la journée de citoyenneté là, que j'ai fait en 2015, c'est-à-dire il y a quasiment 10 ans, il fallait les retrouver ce putain de document. Donc j'ai pris beaucoup de retard, vraiment je pensais pas, là c'est bordel encore, enfin j'ai quasiment rien fait. J'ai commencé un tout petit peu à mettre mes chemises et à ranger... Je sais pas si vous verrez là dans les caisses, il faut que je range mon document d'ailleurs. Donc écoutez, on reprend, il est 18h30, c'est toujours le bordel. Voilà, je comptais genre demain faire le ménage et tout, mais MDR, c'est pas possible. J'ai réussi à mettre toutes mes robes d'été. Donc au final, je remarque que bah, je porte plus d'hiver que d'été. Donc c'est toutes mes robes d'été, il y a énormément de place. Genre regardez, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc mes petites robes d'été... Et du coup ce qui était là pour les chemises et tout, bah j'ai tout regroupé ici. Donc il y a énormément de place, c'est fou. Genre mes blouses, quelques petits pulls. Et voilà, enfin je suis trop contente. Au moins tout est bon, les pantalons sont rangés. Là il faut juste que je range mes maillots de bain dans le petit sac maillot de bain. Et au niveau des vêtements, on est bon, normalement. Mais c'est toujours le bordel en tout cas. Mais je suis trop contente, j'ai réussi à vider une valise et un sac de sport. Donc ça c'est cool. Je vais remettre le rideau en place. Je pense qu'au niveau des vêtements, on est bon. Là-dedans, il y a les bijoux que je dois vous vendre. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Je vais essayer de me caler au moins une matinée, peut-être samedi matin ou dimanche matin pour pouvoir le faire. Prince, on ne repart pas. Voilà. On reste en France. Allez mon cœur, sors de là. Et donc, j'ai vidé ça. C'est encore vraiment le bordel. Mais c'est un bordel organisé, j'ai envie de vous dire, pour l'instant. Là, le fauteuil, il reste là-bas parce que bah, j'ai pas nettoyé le balcon encore. Là, c'est les sacs. Sous vide, là pour l'instant je sais pas du tout où les mettre parce que c'est les affaires d'hiver, donc il faudra que je trouve une place quelque part mais je sais pas encore où. Là il y a des colis aussi qu'il faut que je range après, mais je ferai ça dans une prochaine vidéo. Là c'est les maillots de bain, tout ça pour l'instant je sais pas trop où mettre ça, donc bon c'est un bordel mais je sais ce que c'est. Prince toujours dans la valise. J'ai réussi aussi à ranger mes produits de beauté, ma pharmacie aussi je l'ai rangé. J'ai rangé tous mes pousse-mousse de chez Bath & Body Works que j'ai réussi à ramener d'Athènes. Pour se laver les mains, c'est génial. Je vous conseille vivement d'acheter ça. Là-dedans, c'est mes sous-vêtements. J'ai tout rangé aussi, tout est bon. Et maintenant, le plus gros du travail, ça va être ça. Voilà. Et les gamins qui gueulent dehors, je suis déjà à bout. Dans tout ce bordel, je crois avoir réussi à mettre tout ce qui est produit de beauté. J'avais encore 3 petits sacs. Donc là ça re-remplit la salle de bain. J'ai rangé tout mon make-up là où c'était avant, en fait, dans cette petite panière. Bah, trop cool, j'ai aussi remis du coton parce que j'en avais plus. Donc j'utilise ça comme coton, c'est vachement bien. C'est très, très doux pour la peau. J'utilise pas de coton réutilisable parce que ça me dégoûte. J'arrive pas. Ne me demandez pas pourquoi je n'arrive pas dès que je vois qu'il y a encore une trace de maquillage. Je peux pas. J'ai mis les petites miniatures que j'avais entamées juste là pour pouvoir les utiliser, les finir. Prince, as-tu quelque chose à dire? T'es content de rentrer en France? Oui, mon amour. Oh là là. Un principado. Oui, mon cœur. T'es content, t'as pu retrouver tes tapis de bain, tes paniers, ton arbre à chat. Ah oui, hein? T'as trop beaux yeux, je t'aime. J'ai retrouvé aussi mes petites bouteilles là, qui sont vraiment top
pour faire les thés glacés. Donc pour ça, par exemple, bah, j'ai des thés glacés qui viennent de chez Action. Ils sont super bien. Il y a thé vert et thé rouge. Je sais plus s'il m'en reste encore du thé vert là-dedans. Hop, on va remplir parce que bah, j'ai plus beaucoup d'eau. Est-ce que j'ai de la place dans le frigo? Ouais, ici ça peut passer. Hein. Là, ça donne ça. Donc ça, c'est au thé vert, thé rouge du coup, enfin frais rouge. Et en fait, de base, tu le laisses juste une heure et ça passe. Moi, je le laisse 24 heures parce que j'ai pas besoin de boire de l'eau. Mais c'est super bien. Ça, ça vient de chez My Muesli, la bouteille. Et celle-là, je sais pas si c'est Action. Bon, je suis trop contente parce qu'il n'y a plus la valise remplie d'objets. J'ai tout rangé. Il me reste juste mon sac à dos. Il n'y a pas grand chose, je crois, à ranger dedans, il y a juste des livres. Et du coup, il y a mon meilleur ami, celui qui fait les travaux, là, je lui ai dit que j'étais débordée. Et il m'a dit, bah viens, je te prends tes valises, le temps que je te redonne ça à mon père. Et à l'intérieur, il y a mes sacs, vous savez, d'été et aussi mes serviettes de plage. Mais bon, je pense pas que je vais aller à la plage cette année. Donc voilà, j'ai mis ça là. Par contre, c'est en train de se péter. Voilà. Et du coup, l'autre est là avec le... La... Ça c'est une couette, peut-être tu lui filerais au pire. Et là-dedans il y a une valise aussi à l'intérieur. Enfin, bon, au moins comme ça j'ai rentabilisé un petit peu la place. Et comme ça il n'y a plus les housses. Donc ça c'est vraiment top. Je sais pas si je mets les plaids. Je sais que Prince adore les plaids. Donc je sais pas, je pense que je vais lui garder pour lui. Et en tout cas voilà déjà pour les housses. En fait il n'y a plus de choses que je dois... Si à part les colis. Mais des choses que je dois ranger en soi. Donc j'ai pu mettre aussi toutes les affaires, vous savez... pour faire mon scrapbooking. Donc ça par contre il faudra que j'achète mon petit livre. Je crois que j'avais acheté à Action la dernière fois parce qu'il est là-bas, il est juste là. J'avais fait ça, crête et tout, j'avais montré tout ce qu'on avait fait en fait. Et ça c'était notre programme que j'avais fait. Enfin voilà, ça va ressembler à ça. Je sais pas si je vais faire des pages comme ça jour 1 parce que bah, si je fais ça pour 5 mois on n'est pas sorti. Mais voilà, on a fait des photos, les tickets de caisse et tout, enfin voilà les tickets de musée, enfin voilà le musée d'Héraclion. On avait fait vraiment beaucoup de choses, enfin, j'avais tout fait et j'aimerais bien reprendre des photos comme ça. J'avais pris sur La La Lab je crois. Vous voyez, il y a plein de petits trucs genre le fond de teint de Mimi, enfin voilà. Ça avait coulé dans mon sac. Donc voilà, j'avais fait plein de choses comme ça, jour d'Ascension, j'avais tout dessiné, vous voyez. Avec les belles fleurs de là-bas, et, les tickets, enfin toutes les photos. Donc vous voyez, c'était super joli, j'avais mis vraiment beaucoup de temps pour faire tout ça. Le jour 3, j'avais fait un bateau, j'aimais pas les couleurs, je pensais que ça faisait pas ça, mais bon bref. Donc voilà, il y avait encore une fois ma soeur qui payait 8 balles pour rentrer, moi je payais 0€, je meurs. Voilà, tout ça. Et donc j'aimerais bien refaire, mais je sais pas s'il y aura assez de pages pour tout mon Erasmus, parce que bah... Il y a plusieurs voyages, donc je sais pas si je fais pour chaque voyage un petit truc, un petit album. Il faudra que je vois à Action s'ils ont des tout petits albums. Si c'est le cas, je pourrais faire pour chaque voyage. J'ai fait sur Instagram des photos regroupées de lieux. Donc au pire, je ferai comme ça. Genre juste des photos regroupées de lieux avec les lieux que j'ai fait. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un petit livre à chaque fois. En parlant de livres, rien à voir, mais il y a le troisième tome qui va sortir au mois d'octobre 2023, le 12 octobre 2023. Je pense que vous connaissez ces livres-là, ils sont incroyables. Ouais, ils sont encore sous blister. J'en avais déjà acheté avant, mais mon ex les a pris. En fait, je les ai rachetés par la suite. Et j'ai vu qu'en fait, je les avais achetés en anglais. Je pensais que je les avais achetés en français. Et du coup, j'ai vu que le prochain tome était en français. Enfin, je le trouve pas en anglais. Donc il faudra que je fasse mes petites recherches, mais j'étais dégoûtée, j'ai vu que c'était en anglais. Déjà pour moi la lecture c'est compliqué en français, parce que je suis dyslexique, et là c'est en anglais. Donc j'espère que je vais pouvoir essayer de lire, et ces deux-là ils sont vraiment magnifiques de livres. Peut-être si je retrouve les liens Amazon, je vous les mettrai en barre d'informations, parce que vraiment ils sont top pour ceux qui sont fans d'Harry Potter. Sinon je pense que vous connaissez, c'est... Bref, voilà, juste pour la petite histoire, hier j'ai voulu voir sur Amazon les offres Prime Day et j'ai vu qu'il y avait le troisième qui allait sortir, j'allais le commander, je me suis dit bah merde, attends je vais regarder les miens et j'ai vu que c'était en anglais, j'ai merde. Donc bon, c'est pas grave, anglais, hein, écoutez. Là maintenant il restera plus qu'à nettoyer et puis bah, on sera good quoi. Bah, écoutez, je vais vous laisser là, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a un chacha qui me pousse avec sa petite tête trop mignonne. Je l'aime trop ce chat. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je partage ma vie bah, tous les jours en plus de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. C'est ElisaBRTOff. Et voilà, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas.
Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Daily Vlog. Bye bye.